j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans ma tant attendue vidéo de mes cadeaux de Noël 2015 parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé si j'allais la faire, mais évidemment, c'est vraiment un classique du temps des fêtes. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne ou que c'est la première vidéo que vous voyez de moi, ben salut tout le monde, je m'appelle Catherine et si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. J'aimerais vraiment ça vous compter parmi mes girly addicts, ce serait vraiment un beau cadeau de Noël pour moi. Je suis consciente que c'est pas nécessairement tout le monde qui fête Noël, donc si jamais c'est votre cas, ben j'espère quand même que vous avez passé du bon temps en famille. Et là, étant donné que je suis une personne qui est très très curieuse, dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau de Noël cette année, parce que j'aime toujours ça vous lire. Et aussi, je peux pas vous oublier, donc je vous conseille de rester à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais avoir une petite surprise pour vous, et sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, j'ai reçu plein de cartes cadeaux et ça vous savez que c'est vraiment mes cadeaux préférés à recevoir. J'en avais demandé si vous avez vu ma vidéo wishlist et j'ai vraiment été servie. Donc premièrement, j'ai deux cartes cadeaux de chez Starbucks et ça vous savez que c'est un de mes restos préférés donc j'ai vraiment hâte d'y aller. Aussi j'en ai une de chez Michaels et c'est là que j'achète mes trucs pour faire des DIY donc vous allez être servis en 2016, je planifie en faire plein. J'en ai une de chez Garage et ça c'est ma boutique de vêtements préférée, fait que ça aussi j'ai hâte d'aller faire un tour. Et pour terminer, j'en ai une de Tim Hortons, de Walmart et de iTunes. Après ça, de la part de ma mère, j'ai eu un gros tricot en laine gris de chez Garage. Puis je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais il y a comme des petits filaments mauves dedans. Il est vraiment super beau, j'aime la coupe, puis il va être super chaud pour l'hiver. Après ça, j'ai eu un bas de pyjama qui est gris avec des petits cœurs. Il est super beau, mais il est surtout super chaud parce qu'il est fait un peu en polar. Et avec, j'ai eu des petits bas chauds aussi. Là, je l'ai pas physiquement avec moi dans mes mains, mais de la part de mon copain, j'ai eu des billets pour aller voir la pièce de théâtre Décembre à la Place des Arts de Montréal. Puis ça, c'est vraiment la pièce de théâtre parfaite pour les amoureux de Noël comme moi parce que j'adore trop le temps des fêtes, fait que j'ai vraiment hâte, j'y vais lundi, ça va être trop le fun. Après ça, de la sœur de mon copain, j'ai eu un petit kit avec plein de produits pour le corps de chez Saint-Yves, fait que j'ai un désincrustant, une crème hydratante et un gel pour la douche, puis ça sent vraiment bon, c'est comme mandarine, noix de coco, puis pamplemousse, c'est vraiment des odeurs que j'aime. Là, si vous le saviez pas déjà, j'ai un amour démesuré pour les chats, je suis vraiment une folle aux chats, je les aime à la folie, donc de la mère de mon copain, j'ai eu un tapis avec des chats. Ah! Il est trop cute! Et finalement, pour terminer, je me suis offert un petit cadeau de moi à moi parce que je pense que c'est le fun aussi dans le temps des fêtes de se faire des petits cadeaux puis de se gâter un peu. Donc, je me suis acheté une paire d'écouteurs de la marque Audio-Technica dans le blanc. Ça, ça va être vraiment parfait pour faire du montage puis faire mes vidéos parce que la qualité de son est vraiment bonne avec ça. Puis c'est mon copain qui me les a conseillés parce que lui, il en avait des comme ça, mais moi, j'en voulais dans le blanc. Fait que j'ai pris ceux-là. Je suis vraiment contente, ça faisait longtemps que je voulais en avoir, mais c'est quand même cher. Fait que j'ai hésité avant de les acheter, mais là, je me suis dit que pour Noël, je me gâtais cette année. Donc voilà, c'était tout pour mes cadeaux. Je suis vraiment super contente puis vraiment reconnaissante envers tout le monde qui m'a offert un petit quelque chose et c'est super apprécié. Et là, comme je l'ai dit en début de vidéo, je peux pas vous oublier non plus. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir été présent non seulement pendant ma série des fêtes, mais aussi pendant toute 2015. Donc j'ai décidé que j'allais vous offrir quelque chose que la majorité des gens veulent avoir. Et c'est un appareil photo Instax Mini 8 de Fujifilm dans le mauve avec une petite boîte de film. Je me suis dit que c'était vraiment le cadeau parfait pour bien commencer 2016 parce que dès que vous prenez une photo avec ça, ben la photo elle va sortir en version papier, fait que ça vous fait des super beaux souvenirs que vous pouvez garder avec vous et pas nécessairement juste dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. Je suis vraiment vraiment contente de pouvoir vous offrir ça. Moi j'en ai un puis je l'utilise tout le temps, c'est vraiment pratique. Donc il va y avoir un ou une gagnante qui va se le mériter. Pour participer, c'est super simple, faut être abonné à cette chaîne-ci et être abonné à ma chaîne de vlog. Les liens sont en barre d'informations. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à mon Twitter, mon Instagram et mon Facebook, mais ça c'est facultatif. Et pour que je prenne votre participation en compte, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous avez reçu comme cadeau à Noël cette année. Je vais tirer le ou la gagnante dans une semaine, puis je vais l'écrire en barre d'informations de la vidéo. Fait que c'est vraiment important que dans une semaine pile, vous reveniez voir cette vidéo-là ici pour savoir si vous avez gagné ou pas. Et je vais aussi contacter la gagnante en privé. Ah, j'espère vraiment que vous êtes contents. Moi, en tout cas, je suis super heureuse de pouvoir vous offrir ça. Comme j'ai dit, là, c'est vraiment pratique, puis vous allez adorer. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Il reste encore une ou deux vidéos pour 2015, donc c'est pas complètement terminé. Donc, nous, on se revoit bientôt. Bye tout le monde!